Elle enseignait les numéros et les couleurs de l'arc-en-ciel, comme autant de petits barreaux pour se construire une grande échelle. Elle leur a donné l'ABC, leur offrait des récitations à tous ces enfants mal armés en guise de petites munitions. Elle leur parlait de tous les livres, elle leur a appris toutes les lettres pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres. Et même le dernier des cancres écoutait la chartreuse de Parme. Elle disait qu'une main tachée d'encre est une main qui ne tiendra pas d'armes. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Aujourd'hui je repense à elle, à toutes les vies qu'elle a changées, avec ses consonnes, ses voyelles et toutes les phrases qu'elle a semées. Je la revois à son bureau, la tête penchée sur le côté, en train de réparer leurs mots comme on soignerait des blessés. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Cette maîtresse, c'était ma mère, de l'avoir un peu partagée. Je me sens riche de sœurs et frères que je n'ai jamais rencontrés. Fleurs libres et fleurs sauvages, que la vie puisse les arroser d'amour, de savoir et d'ouvrage, autant qu'un jardin de pensée. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut être un ami. Peut être un ami. Un ami.